Salam alaikum tout le monde. China. Salam alaikum, je sais pas si vous m'entendez bien ou pas. Est-ce que vous dites-moi si vous m'entendez? On attend que les frères ils arrivent tranquillement. Salam alaikum. Abou Mousse chocolat. Alaykoum salam wa rahmatoullah. Ça va quoi, Akhi? Pourquoi nous? Moi, en fait, je pose. Content ou pas? Franchement, j'ai des Ah, c'est circonstances déjà fini. atténuantes. Mais allez, arrête. Tous les jours, il J'ai m'arrive des des circonstances atténuantes. Il y a un problème avec circonstances atténuantes. Il y a un décalage horaire, tu vois, entre le Maroc et la France. Et moi, j'étais resté sur l'heure du Maroc, tu vois. Et heureusement que cependant, les frères, ils m'ont dit, Salam alaikum, Abdallah. Bismillah, on voit la demande, Inch'Allah. Ou je t'envoie une demande, Bismillah. Donc, on va commencer, on va terminer ce qu'on avait commencé hier. Pour ceux qui nous rejoignent, ceux qui n'étaient pas là hier, on attend que le frère Abdallah rentre. Abdallah, je t'ai envoyé une invitation, il faut que tu l'acceptes. Ah, c'est bon, t'es là. Salam alaikum, Alaykoum salam. Akhi. Ça va quoi, Bikher? Ça va, alhamdoulilah, ça va. Alhamdulillah, bismillahi, walhamdulillah, wa salli Allahumma wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wa la thumma ba'd. Donc, hier, on a fait la première partie. Bon, on ne peut pas récapituler tout ce que l'on a vu hier. Celui qui n'a pas vu la première partie, ben, il faut qu'il aille voir. Ça a duré 3 heures. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va essayer Quand même pas. de pas durer 3 heures. Demain, là, on a des activités. Voilà. Mais bon, en France, apparemment, c'est férié en France. Apparemment, demain en France, c'est férié. Donc, en France, ils ont du temps. Mais ceux qui sont pas en France, c'est compliqué. Alors, Koulihel, désolé pour le retard. Franchement, j'étais sur l'heure du Maroc, tu vois. Parce que là, ici au Maroc, il est 22 h, tu vois. Ça veut dire que quand j'ai vu l'heure du Maroc, je me suis un peu trompé. Alors, Koulihel, hier, on a vu beaucoup de choses. Ceux qui étaient là hier, les frères et sœurs, ceux qui avaient des objections, etc. N'hésitez pas, si vous avez des choses à dire par rapport à ce que l'on a vu hier, n'hésitez pas. Alors la première chose par laquelle on va commencer, hier on avait commencé à parler de ses frères qui consomment avec les sœurs, etc. Après, ils laissent les sœurs tomber comme ça. Justement par rapport à... J'entends ma voix en double avec quelqu'un qui a mis... C'est bizarre. Ah, c'est parce que le frère, il avait un souci. Ou ailleurs, on avait commencé à parler des frères qui se marient avec les sœurs, qui jouent malheureusement avec les sœurs, etc. Et sur le cas là du frère en question, le frère qui a tourné. J'avais mis une mise en garde sur ce frère-là parce qu'on me l'avait envoyé. Après, j'ai essayé d'élucider tout ça un peu. Et hier, on avait parlé de l'importance des tuteurs. Quand la sœur, elle veut se marier, de bien choisir le tuteur, etc., etc. Et en l'occurrence, là, on m'a fait savoir que cette sœur qui, malheureusement, elle a malheureusement, elle a peut-être, je sais pas pourquoi elle a agi comme ça. Mais la sœur en question, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle avait un tuteur qui lui était attitré, un tuteur qui l'avait déjà marié, etc. Et là, elle avait divorcé, donc avec, je rappelle qu'elle était mariée avec un ami à moi. Ils avaient divorcé il y a pas longtemps, un an, quelque chose comme ça.
Et donc, ta sœur, quand elle a voulu se remarier, elle n'est pas passée par son tuteur qui était son tuteur affilié, mais elle a voulu prendre son fils comme tuteur. Et ça, c'est une chose il faut que les sœurs fassent très attention sur cela. C'est que le fils, il peut être mature. Il peut avoir l'âge de la maturité, il peut avoir 15 ans, 14 ans même, il peut être mature. Mais il n'a pas la vision qui peut lui permettre de déceler est-ce que le prétendant est un bon ou mauvais prétendant. Donc voilà. Et donc cette sœur, bah, il s'avère qu'elle est tombée sur un mauvais frère parce qu'elle a changé son tuteur et elle s'est mariée donc elle a pris son fils comme tuteur. Ça, c'est les infos que j'ai eues. Donc vous les frères, quels sont les conseils que vous pouvez donner? Parce qu'il y a, je rappelle qu'il y avait une sœur qui avait demandé comme conseil, ça coupe. Vous m'entendez bien ou vous m'entendez pas? Ça coupe un peu, ouais. Ah ouais? Bizarre, attendez. Là, vous m'entendez mieux? On l'entend bien, d'accord. Bizarre, pourquoi les frères me disent que j'entends pas bien? Il y en a qui me disent on entend bien, il y en a qui me disent tu captes pas très bien. Bizarre. À un moment, tu captais pas très bien, mais là, tu captes, là. Ça a coupé un Ah. petit peu à plusieurs reprises, mais là, maintenant, là, tu captes bien. D'accord. Parce que je suis en mode fibre optique là. C'est pas normal ça. Ah, t'as Ben la bah fibre. Fibre. ouais, on est en mode fibre optique, c'est pas normal. Donc là, vous m'entendez bien là. Là, t'entends bien, là, c'est parfait. D'accord. Donc la sœur en question, donc elle a changé de tuteur, elle a pris son fils, etc. Et hier, il y avait une sœur, elle a demandé comment se préserver de ces prédateurs-là, de ces frères qui viennent, qui se marient et qui divorcent. Donc, par rapport à cette histoire-là en question, Harry Abdallah et Abou Moussa Chocolat. Quels sont les conseils que vous pouvez donner aux sœurs? Parce que c'est des histoires qui sont de plus en plus Mais tu vois fréquentes. pas, il mange du chocolat en plus. Il s'appelle Abou Moussa Chocolat. Mais tu vois pas Abou qu'il est en train de manger Moussa Chocolat là? Moussa Chocolat, toi aussi. Abou, tu dis les noirs. C'est que toi, tu as des Là, il est en racistes. train de manger une mousse là. Ça coupe pas beaucoup. Abdallah, pendant que l'autre frère il mange, dis-moi un peu les conseils que tu peux nous donner par rapport à Ben, ça. ça coupe beaucoup, hein. Ah ouais? Ça a encore coupé là. Ouais, ça coupe. Bah attends, je vais essayer de me mettre en 4G, on va voir, peut-être ça va être mieux. Là, vous m'entendez. Là, ça va, là. Ouais, ça va. Ouais. Donc, toi, quels sont les conseils que tu peux donner par rapport à ça? En fait, déjà, par rapport à l'histoire de... Moi, je suis très... Attention de rentrer dans les histoires, c'est les histoires que j'entends que Les les versions, filles et ouais. le cral, tu vois, moi je fais très attention à ça.